À Chantenay, fais ce qu'il te plaît. Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous estival tous en tongue. Aujourd'hui, on se retrouve dans le quartier du Bas-Chantenay, un quartier à la mode ici à Nantes. Un quartier qui, vous allez le voir, est en train de se réinventer. Je vous embarque pour la petite visite, c'est parti. Bien, pour présenter un quartier, rien de mieux qu'un guide, quelqu'un qui connaît le quartier comme sa poche. Et justement, je suis avec Milena Manglier, vous êtes chargée de communication au DOC de Chantenay. Oui, bonjour. Alors dites-moi, on est où là? On est à l'entrée du Jardin Extraordinaire? Voilà, on est à l'entrée du Jardin Extraordinaire, donc c'est un petit peu le début du quartier Chantenay. C'est entre Sainte-Anne et Chantenay. Voilà, et c'est ouvert depuis septembre 2019. Oui, c'est ça, c'est un lieu tout récent, ça veut bien dire que le quartier Chantenay, déjà là, on voit une première transformation. Oui, voilà, c'est un peu le début en fait de toute l'évolution et la mutation du quartier Chantenay. Qu'est-ce qu'on peut y voir à l'intérieur de ce jardin? Moi, j'ai beaucoup entendu parler de la cascade. Oh, oui, il y a une super cascade de 25 mètres de haut et il y a plein de plantes exotiques. Donc en fait, ils ont pu installer des plantes exotiques parce que justement, c'est un peu la topographie de la carrière permet de garder la chaleur et de les protéger du vent. Et de redonner la chaleur le soir. Donc voilà, ça permet d'avoir des espèces qu'on ne trouverait pas ailleurs sur les bords de Loire. Et là, c'est vrai que dès qu'on voit la porte d'entrée, les petits bambous, on est saisi tout de suite par une ambiance. Voilà, ça donne un petit côté pas nantais. Hein. Ça ramène une autre population d'avoir ouvert le Jardin Extraordinaire à l'entrée du DOC de Chantenay. Ça ramène des gens? Je pense, oui. Surtout au début, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. En fait, c'est un quartier qui, jusqu'à présent, était très peu fréquenté. Bah, il y a déjà une grande route il n'y avait pas grand-chose à venir voir avant. C'était un quartier très industriel. Donc ici, avant, bon, il y a très longtemps, c'était la brasserie de la Meuse, voilà, qui s'était implantée ici dans les années 1930, je crois. Et avant cela, c'était une carrière de pierre, hein, d'où son nom. Voilà, donc après, ça a été un peu abandonné. Et puis là, on reprend, on revisite un peu ces lieux, ces friches. Un peu comme les docks de Chantenay, c'était aussi une friche qui est... Voilà, vous habitez dans le quartier. Comment vous avez pris l'ouverture de ce jardin? Vous êtes dit, là, on est vraiment sur un renouveau, ça va rafraîchir un peu le quartier? Oui, voilà, ça c'est sûr que ça va rafraîchir le quartier. Après, je le trouve très joli. Après, j'aime bien aussi les espaces bruts. Mais voilà, c'est nouveau. C'est, Eh ben super, bah, on va aller faire un petit tour, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est frais. C'est parti. On se retrouve devant les ateliers du DAHU. C'est aussi ce qui fait partie un peu de ce côté atypique de ce quartier, cet espace d'expression artistique. Voilà, alors le DAHU, c'est un espace associatif et qui regroupe 20 ateliers d'artistes. Il y a également une scène pour faire de la répétition de groupe, musique. Il y a une salle insonorisée, voilà, pour faire des résidences. Et là, du coup, ils ouvrent leurs portes sur la période estivale, donc les samedis ou dimanches ou les deux, voilà, sur tous les mois de juillet et sur les mois de juillet et août. Historiquement, voilà. Le quartier du Bas-Chantenay, ça a toujours été un quartier qui vit au niveau artistique. On l'a vu en traversant un petit peu. Il y a beaucoup de tags, beaucoup d'expressions. Oui, bah ouais, ça a toujours été ça et ça l'est toujours un peu, voilà. Donc à travers le DAHU, à travers de nombreux tags encore sur les restes du boulevard. C'est ce qui fait le charme aussi, d'après vous, de ce quartier dans lequel vous habitez, encore une fois. Oui, moi j'aime beaucoup cet aspect-là,
le côté un peu Bas-Chantenay. Voilà, le Bas-Chantenay, c'était un peu le quartier où personne voulait, que personne connaissait, où personne voulait trop aller. Et voilà, on est en plein renouveau de ce quartier-là, en tout cas. Nous voilà maintenant sur les docks de Chantenay, un endroit que vous connaissez très bien, Milena. Oui. C'est en pleine construction, là, ici, on le voit. Ah bah oui, alors les docks de Chantenay, qu'est-ce que c'est ? Les docks de Chantenay, c'est une SCI familiale, donc qui regroupe sur un espace... SCI, pour préciser, ça veut dire Société Civile Immobilière. Et donc, c'est un espace de 10 000 m² en bord de Loire. Et on y retrouve MB Productions. Donc MB Productions, ils font des fabricants de montures de lunettes. On y retrouve également l'association Bloc 13. Bloc 13, c'est 10 structures en lien avec l'artistique et le culturel qui se sont mis ensemble, qui ont créé une association. Toujours dans cette mouvance, quoi. Voilà, et qui mettent en vie, qui participent à la mise en vie du site. D'ailleurs, là, ce qu'on voit derrière, ils sont en train d'installer le marché, le Bloc Market. Et le Bloc Market, c'est un marché d'artisans qui aura lieu tous les vendredis sur le site, sur la période estivale. Donc de 14h à 22h. Il y a aussi les chantiers de l'Esclin, voilà. Un peu plus loin. Là, de ce côté-là, on peut voir les chantiers de l'Esclin. On pourra aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir. Donc les chantiers de l'Esclin, c'est de la réparation. Ça perdure la tradition navale nantaise. Donc eux, ils font de la réparation réparation de bateaux, donc de péniches, de grosses unités dans la cale. Pour la petite histoire, cette cale-là, c'est la cale où a été construite le Bellem, donc la cale des anciens chantiers du Bigeon, donc en 1896. Donc là, on lance aussi une activité de balade en bateau autour de l'île de Nantes, donc à départ d'ici. Donc voilà, c'est la balade du passe-partout et ça a lieu tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis pour 1h30 de balade autour de l'île de Nantes à la découverte de la ville Bailloire. Dernier point d'étape ici dans le Bas-Chantenay, quartier incontournable, point incontournable, la brasserie artisanale. Et justement, pour en parler, je suis avec Jérôme Palier, le fondateur de cet endroit. Comment ça vous est venu cette idée d'installer une brasserie ici ? Cette idée, c'est plutôt un projet de vie en fait, que j'ai longuement mûri. En fait, avant, je travaillais dans l'industrie brassicole et j'en avais marre de faire des allers-retours entre Nantes et Paris et de plus voir ma famille. Et donc l'idée, c'était de savoir faire ce que je fais, c'est-à-dire la bière, et de me réimplanter à Nantes où vit ma famille. Donc c'est vraiment ça, un projet de vie. Là, on le voit, hein, l'endroit est flambant neuf, c'est magnifique, franchement, je vous le dis. Merci. Et comment, c'était quoi cet endroit avant ? Historiquement, il a eu mille vies, en fait, ce lieu. Alors, c'est un projet de vie, et ce lieu, effectivement, a eu mille vies. Et comme vous le dites très justement, vous êtes dans un lieu chargé d'histoire. Le bâtiment date du 19e siècle, 1856, pour être précis. Au tout début, c'était une huilerie, les huileries Bonnet, où ici on pressait de l'huile de colza pour faire de l'huile lampante, pour les lampes à huile à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Par la suite, c'est devenu une savonnerie, la savonnerie Magra. Et enfin, c'est devenu les chantiers du Bigeon. Donc c'était un haut lieu de la construction navale. D'ailleurs, le Bellem a été construit dans la cale juste à côté, avant que tout ça déménage à Saint-Nazaire et devienne les chantiers de l'Atlantique, puis STX. Un lieu chargé d'histoire donc aujourd'hui et qui fait de la bière. Qu'est-ce que vous faites comme bière ici ? Alors absolument, nous sommes un lieu de brassage au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre parce qu'on fait nos propres bières, donc nous sommes une brasserie artisanale. Nous brassons 6 types de bières permanentes. Alors là, il y en a pour tous les goûts, elles ont toutes les couleurs. De la blonde légère à l'IPA, à la Scélérate qui est une Doppelbock allemande. Donc on essaye vraiment de répondre à toutes les demandes. Et puis après, on a des offres un peu plus éphémères, des brassins limités, des éditions spéciales. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on aura une édition assez sympa qui représentera le terroir nantais à la rentrée de septembre.
Et vous êtes donc, si j'ai bien compris, vous êtes tout nouveau dans le quartier ici. Vous le voyez évoluer ce quartier là, il est vraiment en pleine mutation, en pleine construction, on le voit, ça s'agite un peu de partout, ça grouille, c'est en pleine effervescence. Bah absolument, oui, effectivement, Nantes en tant que ville est en pleine effervescence et le quartier tout particulièrement puisque beaucoup d'entreprises s'implantent. Vous avez vu qu'il y a des grands projets urbains comme le jardin botanique par exemple, le Navibus qui vient d'arriver. Donc je pense qu'on est dans un quartier qui comptera demain sur la ville de Nantes. Ici dans cette brasserie artisanale, vous contribuez à ce renouveau, à une nouvelle image un peu de ce quartier qui dans le temps n'était pas forcément bien décrit. Aujourd'hui, il y a plutôt une bonne image qui est en train de s'installer. Vous en faites partie ? Bah écoutez, j'espère. En tout cas, on se voit comme les avant-gardistes du quartier. Notre mission, c'est vraiment de faire rayonner la ville de Nantes, le quartier. Et oui, je pense qu'on y contribue à ce renouveau du quartier, notamment au niveau de l'emploi, parce qu'on a créé 43 emplois à travers notre projet. On a également réhabilité ce bâtiment qui tombait en ruine. Et donc, quelque part, on sauve le patrimoine. Et puis, je trouve qu'on redonne de la vie aussi au quartier, puisque quand vous venez ici en terrasse, bah voilà, c'est un lieu de brassage où on brasse des gens, des cultures. Ça discute pas mal, donc on contribue, j'espère, en tout cas à la vie du quartier. On va pas venir ici sans faire une petite dégustation. Merci beaucoup Jérôme, on va déguster tout ça. Merci, avec plaisir. C'est parti. Ah oui, j'oubliais, depuis peu, la deuxième ligne Navibus relie le hangar à bananes au Bas-Chantenay. Allez, à la vôtre. Tous en tongs, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, laissez-moi vous donner les horaires des liaisons Navibus. Tous les jours, toutes les 20 minutes, de 7h à 20h en semaine. Et puis jusqu'à minuit, les vendredis et samedis pendant tout l'été. Allez, nous on va se faire un petit tour de Navibus. On va profiter de la vue de la Loire. C'est quand même plus agréable que le bus, non ? Allez, salut !